Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle du film La Grenouille et la Baleine. Ok, non, je recommence. En fait, on parlera pas du film en tant que tel. Ça sera pas un spécial sur les dauphins, les baleines, sur Marina Orsini. Non, non, on va parler de la diffusion du film qui a eu lieu à Radio-Canada en mars 1991. En fait, je vais vous présenter les 5 meilleures pubs qui ont passé cette journée-là. Numéro 5, le concours des œufs. Vous vous rappelez de la campagne « Je repars en œuf » avec les personnages de cirque? Ben, les œufs avaient lancé un concours où vous pouvez gagner un voyage tout en achetant des œufs. Notre concours va faire des heureux. Gagnez un voyage pour deux à Paris par Vacances Air Canada, plus 2 500 $ en argent de poche. Détail où vous achetez vos œufs. Mangeons des œufs. Je repars en œuf. Est-ce que c'est laid comme pub? Au numéro 4, l'énergie nucléaire. Dans les années 90, ils voulaient absolument nous enfoncer dans la tête que l'énergie nucléaire, c'était l'énergie de l'avenir. Tout ça parce que ça causait pas de pluie acide. Ça causait pas le coronavirus non plus. Qui quoi de mieux qu'une petite fille et son grand-père pour nous en parler? Penses-tu qu'il va survivre à la pollution? À condition qu'il résiste aux pluies acides. Grand papa! Savais-tu qu'un nucléaire produit de l'électricité sans causer de puits acides? Je crois que t'as raison. Et même que ça ne contribue pas au réchauffement de la planète. Mais qu'est-ce que t'as fait ton imperméable? Si vous voulez en savoir plus sur l'énergie nucléaire et l'environnement, appelez-nous sans frais au 1-800-387-4477. À l'Association nucléaire canadienne, nous voulons vous en parler. Ouais, mais tu vas voir que si la centrale nucléaire explose, c'est pas ton petit imperméable qui va protéger tes plantes. Numéro 3, le porc, délicatement savoureux. Si tu veux voir Diane Lavallée dans son meilleur rôle à vie, là, ben regarde des épisodes de La Petite Vie, son meilleur rôle à vie c'est clairement Thérèse, le steak, blé d'Inde, patate, c'était super drôle. En tout cas, son meilleur rôle à vie c'est certainement pas ce qu'elle joue dans la prochaine pub. Bonsoir! Entrez, entrez! On vous a préparé une bonne recette de porc. Du porc? Et ça sera pas un peu... gras? Ben non! Quand vous mangez une banane, mangez-vous la plure? Ben non! Ah, le porc, c'est une viande tellement tendre, délicate, savoureuse! Le porc, délicatement savoureux! Ben oui! Franchement, il aurait dû faire l'effort de prendre Marcel Leboeuf pour jouer avec Diane Lavallée. Les deux se sont fréquentés. Puis en plus, Marcel Leboeuf, il aurait été parfait pour jouer le gars du couple qui partage le même cerveau, là. Au numéro 2, le réfrigérateur garanti jusqu'à l'an 2000. Toi, à la maison, là, quand t'as acheté ton réfrigérateur en 1991, y a-tu duré jusqu'à l'an 2000? Je dis ça parce que les réfrigérateurs de nos jours pètent tellement vite, ça serait un tour de force qui garantit ce réfrigérateur jusqu'en 2025. Quoique mes tags sont quand même assez forts. Pourquoi acheter un réfrigérateur garanti que pour quelques années? Quand vous pourriez vous procurer l'unique réfrigérateur avec une garantie de remboursement jusqu'à l'an 2000. Le réfrigérateur Maytag. Achetez-le maintenant et s'il cesse de fonctionner avant l'an 2000, on vous le rachète. Voyez votre concessionnaire Maytag pour les détails et le réparateur Maytag dans nos annonces. Les appareils Halloween, rue Sherbrooke et Sainte-Catherine-Ouest. Finalement, le réparateur Maytag ne sert absolument à rien. C'est comme le gars qui reçoit les plaintes chez Industrielle Alliance. Numéro 1, Citadelle. Sérieux, s'il y a quelqu'un qui a encore le ballon Citadelle chez eux, je vous l'achète au prix de plusieurs ballons de plage. Ça pis la canette d'ensemble de Pepsi, je vais vous en reparler dans un autre épisode. Faites votre choix. Obtenez un rabais instantané de 200 $ ou une balayeuse Autovac d'une valeur de 300 $ à l'achat d'une piscine hors terre Platinum 2 en résine de synthèse. Fais-moi plaisir, Citadelle. Sérieux, cette publicité-là vaut la peine juste pour voir une fille nager dans sa propre face. Si t'as un écran vert dans une piscine, là, tu peux faire nager quelqu'un dans n'importe quoi. Si ça
vous tente de faire l'exercice que je viens de faire à la maison, prenez mon montage de La Grenouille et la Baleine et parlez-moi de votre club préféré, votre top 3, votre top 5, votre top 10. Amusez-vous! C'est tout pour aujourd'hui, puis vu que je vous ai présenté les pubs de La Grenouille et la Baleine, ben je vais vous présenter une pub avec Fanny Lausier. Vous allez voir, dans la publicité, elle prend un verre de lait pour un bien. Bientôt, il va y avoir des élections générales au Québec. Moi, je suis trop jeune pour voter, mais pour plusieurs d'entre vous, c'est différent. C'est drôle comme quelque chose d'aussi important peut être aussi simple. Pour vous inscrire sur la liste électorale, faites comme nous. Accueillez les recenseurs qui passeront chez vous. C'est tout. Vous voyez, exercer son droit de vote, c'est simple comme « Bonjour ».